La voile. Profite du vent. Une chanson maintenant. Chantez, les corbeaux. Dark is the shadow thrown, and disorder of the land be thrown. Lands endless they go down, stubborn monarchs have uncrowned. Fiercely eyed and flaming pride, merciless men are for to strive. With fire in heart will the warrior fall, redden the road of Breton. Bienvenue, voyageurs, sur nos riants et fertiles rivages. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un sur cette île. Pourquoi ? C'est l'Angleterre, contrée des Saxons et des Danois. Nos rivages sont ouverts au commerce. L'Angleterre ? Je ne la voyais pas comme ça. Ceux de Norvège trouvent le voyage étourdissant. Mais heureusement, je suis là pour les guider. Je connais le pays mieux que mon propre fils. Est-ce que tout va bien ? C'est mon fils. Il est chez les Pictes au nord du mur d'Adrien. Qui sait ce qu'ils peuvent préparer, cela ? Ou qui ils peuvent envoyer m'espionner ? Tu as parlé de guider les gens. Bien sûr, la visite. Suis-moi. Voici la cité de Lundel, fondée par les Romains en des temps anciens. Il n'y a aucun autre bâtisseur semblable depuis. Ils ont dû faire avec ce qu'ils avaient. Voici les falaises de Dofras, célèbres pour leurs oiseaux bleus. Hmm.
Là, c'est Jørvik, ville marchande des Danois. Entre nous seulement, le roi Elfred a des vues sur Jørvik. Je vois. Là, le mur d'Adrien. Notre dernière ligne défensive contre ces barbares de Pictes. Oui, guère plus qu'une ligne. Et la visite se termine par Winchester, le cœur du Wessex. Où est le roi Elfred? Ces chiens de Pictes! Ils se sont emparés du roi! Il faut aller les attaquer au nord du mur d'Adrien! Où es-tu, mon roi? Je suis sûr qu'il est quelque part. N'aie crainte, mon roi! J'arrive! Mon roi, qu'est-il arrivé? Pourquoi ne dis-tu rien? Arael, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais à fouiller mes affaires? Oh, Parthor, tu l'as trouvé. Pourquoi l'as-tu repris? Oh, le voilà reparti. Traître! Le roi ne me parle plus. Tu lui as coupé la langue. Il n'a pas de langue. Parce que tu l'as tranché. Tu es son fils? N'alimente pas ses divagations. Son esprit vacille, il retombe en enfance. Je l'avais amené ici pour atténuer son égarement, mais il s'aggrave. J'essaie de le raisonner ou d'aller dans son sens, mais il n'entend que ce qu'il veut entendre. Que ce qu'il veut entendre, hein? J'ai une idée qui pourrait s'avérer utile, si tu me laisses faire. Vieil homme, cette épreuve a harassé ton roi. Je l'entends parler très faiblement. Il fait ton éloge. Il tient à remercier... Ising. Il tient à remercier Ising pour sa fidélité envers la couronne. Que dit-il d'autre? Tu marches dans un rêve. Il est temps de t'éveiller. Qu'est-ce que tu dis? La réalité est peut-être moins belle que cette illusion, mais il y a dans ce monde des gens qui t'honorent. Peu importe ce que tu me décris comme vrai, seul compte ce que je crois. Et je crois qu'Elfred nous a vendus aux Pictes. Tu as trahi ta nation et ton peuple. Je t'en accuse et je te chasse du trône. C'était une décision difficile, mais il faut parfois brûler une plaie pour la guérir. Pardonne ma mauvaise humeur. Je savais que ces derniers jours seraient difficiles. Parfois, le fardeau est trop lourd. Tu fais preuve de courage et d'honneur, et les dieux en sont conscients. Bonne chance à vous. L'Angleterre est toujours en guerre? Ce vieux renard est toujours là. Je dois dire que ça m'impressionne.